Yo l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que avec nous dans les ça sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est première fois visiter nos informations, nous partager, intéresser, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet chaque fois nous postons une vidéo sur chaîne là que j'ai une information sans problème. Yon moun mouri ak yon dizaine lot blessé en babal et puis un pile de gafettes là-dedans. Yon petit avion boulé, c'est premier ramassé mardi 29 mars 2022 dans la manifestation qui était faite au Caille département Sid contre climat latéral. Moun qui était descend dans la rue au Caillou, lever la voix contre gagne exam qui bloquait zone Sidio depuis date 1er juin 2021. Presque toute activité était paralysée dans zone métropolitaine Port-au-Prince mardi 29 mars 2021. À cause d'un mouvement protestation contre climat l'intérêt, contre Zach kidnapping, occasion 35 ans depuis population a voté Constitution 1987 là. Mardi 29 mars 2022, agence a annoncé plusieurs milliers de monde descendent dans la rue pour dire non contre climat l'intérêt avec Zach kidnapping, gang à Simayo, sans autorité de facto, pas prendre aucune disposition pour quoi payer. Mouvement protestation mardi 29 mars 2022, essayons pas dans bonne direction, ça montre la population décidé de mettre tête liée ensemble pour combattre pichon insécurité d'après Collectif 4 décembre 2013, une organisation qui derrière initiative Levé Campé 29 mars 2022. Population doit continuer à mobiliser sans camper pour chasser équipe parti haïtien tête Caléo, PHTK qui est responsable climat l'intérieur, PIA Absibi depuis plusieurs mois, c'est disons combine organisation syndicale populaire. Gouvernement de facto a fait qu'on est organisé après-midi lundi 28 mars 2022, un conseil supérieur police nationale la SPN et spécial avec plusieurs représentants divers secteurs qui étaient voués Bali 26 mars 2022 à une pétition. Dans pétition ça, divers secteurs te dit pays d'Haïti bouquet en bas situation sécurité à cap dégradé net alcoolé. Il y a nécessité pour gagner un marché contré pour permettre pays à tourner sous route démocratie. Intention gouvernement de facto pour venir avec une autre constitution malgré les pas de mandat pour ça entrer dans démarche équipe tête Caléa pour saboter démocratie dans le pays, d'après le Conseil national transition. Ça qu'a passé au Kaïkounier? Eh bien, je profite de saluer tous les amis auditeurs et radio A, émission Alter Presse, Alter Radio. Eh bien, nous sommes capables de dire au Kaï, bon, 10h dans le matin, hein, journée mardi 29 mars 2022, hein, tu as gagné une mobilisation et citoyens pour te manifester. Sorti 3-4 chemins, monté aéroport Antoine-Simon des Cailles. 10 heures, char, en pile monté avec pancarte, avec différents vraiment revendications, à bas et gouvernement qui l'a, à bas Ariel, à bas Patra, vivions environnement fait, vraiment en pile pancarte, et puis prend route là pour y arriver dans l'aéroport Antoine-Simon. Mais en gourmand, c'est vraiment, tu as un pile monde, Godson, en gourmand, tu as un petit monde, jeune, coup de grandette, accompagné avec un char qui était avec eux pour arriver en haut. Vraiment, c'est un gros parcours. Mais les gens qui arrivent dans le Carrefour, tu as commencé à gagner tir, la police qui t'a tiré gaz lacrymogène. Donc ça, tu viens mettre un mouvement de tension dans la zone. Qui bralant, ils ont commencé à tirer roche, la police tirer roche, ils ont couru, et vraiment, ils ont allé venir jusqu'à ce que la population a commencé à craser grillage qui était entouré et piste, et Antoine Simon, ils ont commencé à entrer sous piste. Donc, les grosses populations ont fini d'entrer sous piste. Ils ont gagné même qui ont commencé à mettre du feu sous gazon, parce qu'il y a une partie qui est gazon, et puis il y a l'autre maintenant qui t'a tiré roche sous bâtiment, qui va les en pile fin livé entrer, malgré que tu as la police administrative, tu as gagné monsieur dans une unité et maintien d'ordre qui était sous fissant, ils n'ont pas tiré encore avec la population, tellement les gens ont gagné en mouvement pour y rentrer. Est-ce qu'ils mettaient un avion dehors vraiment? Et non, avion, tout l'homme était en dedans, avion pas de dehors. Quand il y a un avion en dedans, est-ce qu'il était en panne? Est-ce qu'il n'est pas en panne? Nous ne sommes pas capables de dire rien sur ça, mais nous sommes passagers moins ouais plusieurs passagers qui étaient sous piste. Donc les populations entrées en dedans, la police maintenant parlait avec eux, donc la police statique encore, ni police administrative, ni UDMO, et puis après, la population va monter sous l'avion, ils crasé vite, et puis ils conduisent sous piste, sortir un bord, ils sur l'autre bord, tomber, virer, tourner avec sous piste. Après, mais comment ils font ça, puisque ils ne peuvent pas conduire avion? Non, ils montent là-dedans, et puis ils poussent le Godson. Donc il y a un paquet qui monte sous lui. Et puis, une bonne affaire, et puis il a monté, et puis il a chanté, il a passé eux-mêmes, parce qu'il va passer Matissan, il va passer Matissan, et puis il a roulé sous piste. Bon. Et Kounien, comme nous avons peu de temps, et Kounien, comment situation est? Calme dans retourner? Calme dans, en fait, toute zone n'a pas gagné rien qui fonctionnait. Rien pas fonctionné, il y a un monsieur dans BLTS, la police qui était entré dans, qui était ouvert dans la zone, il a tiré en pile, qui vient en pile, le monde va aller écarter la zone, qui fait nous-mêmes tout, nous allons quitter la zone par rapport à la quantité et détonation dont nous vivons. Eh bien, mon cher, merci en pile pour le témoignage ça. Max Imbert Marcelin, depuis les Cailles, c'est mon ami Alter Radio. Merci peut-être ou aider nous, connaître ça qui a passé. Sous manifestation spéciale que était lancée dans Port-au-Prince contre kidnapping l'anjou qui séjour 35 ans constitution hein, mais d'abord on dit un mot sous constitution, c'est pas nous cap dit, c'est ça aurait les déclarations en version créole constitution hein, qui correspondent à préambule qui gagnait la maman loi PIA n'ta même rafraîchi mémoire sous lui donc dou sakladani en 7 points. Peuple haïtien déclaré li d'accord à constitution ça. 1. Constitution ça là pour lui assurer tout droit peuple haïtien vin gagné depuis li indépendant depuis en 1804. Droit pour tout haïtien joindre la vie, droit pour tout haïtien vivre libre, droit pour tout haïtien vivre à l'aise. Droit ça yo même avec sa Nations Unies déclarée en 1948 sous droit tout chrétien vivant gagnant sous la terre bénie, ces droits yo pas jamais capable ou été dans main peuple haïtien. Constitution ça là pour pays d'Haïti capable mettre tête li, pour li capable mettre richesse li, de quoi pour tout haïtien égal, égaux, vrai. Et pour tout haïtien, rive joindre justice, tout bon vrai. 3. Constitution ça là, pour pays d'Haïti, camper solide, pour les camper en forme, parmi toute nation, pour les pas rester avec aucun autre pays, pour les camper tout ça qui fait haïtien, c'est haïtien tout bon, ni nan sa yo, mettez confiance là-dedans, ni nan jan yo vive, ni nan façon youn servi ak l'autre. 4. Constitution sa la pour démocratie pousser bon racine dans pays a, pour tout moun gen droit suivre l'idéal libre. Pour direction pays a pas toujours été nan même moun, en même groupe moun tout temps. Pour personne moun pas jamais qu'arriver racher droit peuple haïtien nan main. Constitution ça là pour peuple haïtien marcher main, nan tête ensemble, net aller sans pas gagner aucun chirépite, ni soit fait moun la ville ak moun en dehors, ni soit fait langue, ni sous ça moun kwe ak sous ça moun connaît puisque tout moun nan pays a fait pour rejoindre bon l'école, pour apprendre, bon formation, pour augmenter connaissance, bon soin, bon gens travail, bon gens détente, avec bon gens moyens pour refaire santé. 6. Constitution ça là, pour lui permettre groupe indépendant qui dans service peuple là, fait travail correct, sans youn pas nuit l'autre. Et puis 7. Constitution ça là, pour pays d'Haïti capable marcher selon principe qui respectait tout droit, tout chrétien vivant gagnant. Droit pour vivre libre, droit pour vivre à l'aise, droit pour toujours capable d'y mot pa yo dans Jean pays à doué marché. Doit pour c'est pas ni un petit point moun seulement, ni moun qui chita yon seul côté dans pays à seulement qui décide toute bagaille pour tout pays à. Voilà donc les 7 gros points qui dans tête constitution 1987 là et qui définit toute orientation constitution ça. C'était nécessaire pour nous te faire ou petit rappel ça, mais nous faut connaître tout que je dis nous pral chita sous 2 aspects particuliers dans constitution ça et qui fondamental, c'est question respect droit moun avec question décentralisation. Dans tout droit que yo t'a décliné là yo gagné entre les lignes droit pour moun joindre sécurité, c'est ça que fait parler de droit pour vivre à l'aise. Je dis à gagner un gros levé campé dans Port-au-Prince contre insécurité, kidnapping qui fini avec société haïtienne nan. Une nan organisation qui lancé mot d'ordre là c'est collectif 4 décembre et bien bonheur yoté l'enquête Port-au-Prince là pour démarrer manifestation an, et qui était commencé presque à l'heure nous t'a dit puisque yoté prévoit 10h et la zone le Sao était déjà non seulement des monde qui réunit et manifestation t'est ébranlé. Jean-Robert Organ c'est principal responsable collectif 4 décembre qui parlait avec la presse le moment ça. Jodi a, premier pas que nous faisons, c'est que toute population était ensemble, nous damnons béton, pour faire comprendre que la population ne va pas accepter ça qu'a fait Kounia là, qui ne va pas tolérer avec kidnapping ça. Parce que tout le monde victime, kidnapping qui a détruit le pays, nous-mêmes nous là, pour que kidnapping ça qu'a suspendre, pour la sécurité à suspendre, pour le pays nous vivre une vie normale. Aujourd'hui, c'est une manifestation, c'est pas une manifestation en plus, c'est pas une manifestation de plus, c'est un tournant. Côté que après manifestation ça, c'est là ça nous va définir par moun et par population pour signe pour que le pays nous retourne l'autre pour la guerre. Le premier problème pour résoudre le pays, c'est mettre la tranquillité. La tranquillité, ça n'a pas kidnappé ça, qui a détruit le pays, qui a détruit le qui a empêché. On fait clean up ça, pour que nous retournions la tranquillité que nous avons besoin. Nous faisons l'ensemble pour que la diaspora qui l'autre bois, les souffrir autant que nous, ne pas vivre sous béton, mais les souffrir autant que nous, stress cap. Pété fier de notre bois. Ils veulent venir, ils veulent investir, ils veulent rencontrer nous. Ils ont bon monde. Aujourd'hui, l'école, l'entreprise, ils ont fermé pour venir manifester, pour dire non à kidnapping qui c'est fléau principal. Aujourd'hui, ils ne parlent pas. Dans même ambiance là, nous écoutons tout professeur Josué Mérilien, syndicaliste, principal responsable Union nationale des normaliens haïtiens. Nous pensons que son marche pour dire abat kidnapping, abat PHTK gang. À part qu'on gagne, qu'on groupe, à part tout collabo, qu'on groupe, qui est payé à côté de là. Ce match pour nous dire non à kidnapping, pour nous dire que, pour nous voir un signal, pour désormais nous bouquer et que pays, peuple de prenne de la main. C'est ça, de tout le monde. Son seul mot d'ordre, c'est mot d'ordre, les 20 campagnes générales de tout le pays, jusqu'à ce que nous chavirions le régime gang PHTK à Ariel, pour nous mettre en notre équipe de bataille avec nous sérieux, nous qui est projet, nous qui va rester avec blanc, nous qui a des réponses après le pays à gagner. Le seul ça nous dit que, aujourd'hui, nous voulons un signal, et nous dit que nous parlons pour dire ensemble d'activités qui est pour faire, pour continuer la population au bureau. Eh bien là, donc, l'ambiance nous tendait en général, dans Port-au-Prince, gagnait une paralysie partielle, activité, et puis gagnait un peu de tension tout, dans certains quartiers, particulièrement Delma, côté, gagnait plusieurs barricades avec du feu, cap-boulé, le moment n'a pas parlé là. Secteur tête Caléa, nous connaissons qui sous pouvoir pendant 10 dernières années qui sont passées là, qui contribuent sérieusement pour plonger le pays dans plus désastre, lui-même tout, lui parlait de constitution. Et par exemple, il y a un parti qui revendiquait de tête Calais, qui c'est Alliance pour Refondation nationale, ARN, la veille 35e anniversaire constitution, Il était organisé journée jeudi à même une conférence débat et terminant c'était la Constitution de 1987 et la désagrégation d'Haïti comme État-nation. C'est professeur docteur Henri Robert Sterling qui était principal intervenant avec président AI, même parti politique ça. Et Serge Gaspard, bon, c'est pas moi qui balle non, parce que je protestais déjà pour te prêter Serge Maïmoune, mais c'est pas moi qui te balle non. Donc c'est non qu'il gagnait, et dans la communauté, c'est comme ça qu'il était connu. Il était relé ici déjà pour te prêter plainte, pour te prêter Serge Maïmoune. Donc dénoncer situation socio-politique et économique paysan, je dis qu'il vient plus malouk, et selon le président Alliance pour Refondation nationale, et dans cafou difficile côté Haïti trouve là cafou dangereux doit gagner une action pressée qui proposer pour n'a cité fini avec problème insécurité ça. Serge Gaspard fait un plaidoyer en faveur d'un dialogue permanent d'après ça le dit côté tout le monde à plat donne toujours dans même intervention président Ariel dit lui appuyer tout mouvement qui a fait contre insécurité avec la vie chère dans pays. N'attend le président AIARN, Serge Gaspard, alias Serge Maïmoulin, dans l'intervention de TFN dans occasion conférence débat. Mesdames et messieurs, la conjoncture sociopolitique et économique actuelle d'Haïti est de plus exécrable. À ce carrefour difficile de notre histoire, des actions urgentes doivent être initiées afin d'enrayer l'insécurité grandissante à la base de l'instabilité politique du pays et pouvoir relancer l'économie nationale. Mesdames, messieurs, il nous faut créer un espace politique pouvant faciliter le dialogue permanent, inclusif et interhaïtien devant aboutir à la réalisation d'une réforme constitutionnelle et rétablir l'état de droit démocratique. Tout cela ne peut se faire sans un conseil électoral crédible à même de lancer officiellement le processus électoral qui lui-même découlera de cet accord impliquant tous les secteurs concernés de la vie nationale. En effet, le renouvellement du personnel politique est un impératif, dans la mesure où le pays est amputé de plusieurs institutions républicaines d'importance dont la présidence, le Parlement et la Cour de cassation. Ça veut dire qui ça? Mais par ici, le pays n'a pas de président. Il n'y a pas de parlement de préférence qui a fonctionné. Jean-Maman Loi, paysan, Mandela. Celle qui reste, Sénat qui était que le président Lambert a dirigé. Dans la Cour de cassation, c'est le même constat qui donne problème sous problème. Dans les conditions, ça, pas de route, pas de bois. Nous seuls monde, nous seuls secteur, pas qu'à résoudre arithmétique, problème ça, pays à gagner. C'est peut-être ça. Il faut que dialogue, et ARN a demandé, il faut que dialogue nous continue en permanence dans le temps acteurs politiques, avec société civile qui signe différents accords. Yo chaque bon côté par yo pour mener nous dans un consensus national avec toute force vive nation. Comme ça, nous avons besoin d'une solution à la crise pour nous donner dans l'ordre démocratique et constitutionnel. Dans la conjoncture difficile, ça. Pays a trouvé le jodi, bagala raide pour femmes et garçons, maman petite, parents à tout qualité monde, et raide en pile pour peuple haïtien en général. ARN annoncé, la supporter et appuyer toute manifestation pacifique qu'a fait contre kidnapping avec la richesse sur tout territoire pays d'Haïti. Enfin, l'ARN profite de cette occasion pour saluer le départ de la membre Evonie-Georges Auguste, combattante de longue date, membre du secteur vaudou haïtien. Et voilà, c'est président parti ça qui sortit dans le secteur tête calé à ARN et qui est tête Alliance pour Refondation nationale et Serge Gaspard alias Serge Baimone me donner l'a dit lui-même semaine passée à la radio même Serge Baimone. Donc nous pas accepter lui porter plainte pour dire que moi relé Serge Baimone. Sous moi parle professeur Henri Robert Sterling qui t'a fait intervention sous thème la Constitution de 1987 et la désagrégation d'Haïti comme État-nation, rend communauté internationale la responsable de Gringolade Haïti, qui vivait dans niveau zéro, je veux dire, comme pays lumière, et pays phare dans l'Amérique. Professeur Henri Robert Sterling déclaré, c'est pas haïtien, n'a cité, qui était écrit Constitution 1987 là, lui montrer obligation pour gagner une autre constitution, mais lui estimer qu'il n'est pas facile. Nous avons professeur Henri Robert Sterling, toujours dans le cadre débat ça, et secteur tête carrière organisé, je ne dis à conférence débat sur Constitution 1987 là. Ce qu'il y a lieu de retenir dans la désagrégation de l'État haïtien, c'est que l'international a tout conçu. Et ces trois puissances, la France, les États-Unis, le Canada, qui est responsable de toute sa napoadée là. La déstabilisation par le biais de Carrefour, de Martissant, de tous côtés ça, c'est parce que plus gros nappe pétrole là, c'est sous bicentenaire allié, ce qu'on appelle en géologie le géosynclinal. Gaz là sorti depuis Miragouane, rivé Gantier. Et les Américains vont enlever l'ambassade qui se trouvait au bicentenaire, ils ont dépensé 840 millions de dollars pour y mettre l'ambassade qui tabarre là. L'ambassade d'Haïti des États-Unis est la quatrième ambassade de la diplomatie américaine. Donc, par conséquent, là, on a parlé de constitution, ça, faut que nous connaissions que la constitution de 87 n'a pas été conçue par des Haïtiens, et je termine sur un autre nom. François Mitterrand a nommé Michel de la Fournière, Michel M-I-C-H-E-L, 2-D-E, L-A-L-A, Fournière, F-O-U-R-N-I-E-R-E, Michel de la Fournière, ancien secrétaire général de la Fédération Socialiste Française, vinicide et il a rédigé nouvelle constitution. Et je termine. Les Michel de la Fournière retourné à Paris, lui remettre constitution par François Mitterrand. François Mitterrand de dire, j'ai donné à Haïti une nouvelle constitution. Haïti ne se relèvera pas de ses problèmes, même après un siècle. Il est obligatoire qu'il y ait une nouvelle constitution, mais par des hommes crédibles, des hommes qui vont changer le modèle de la classe politique, qui, je le rappelle, n'est pas innocente dans nos tragédies. Il y a, lorsqu'on constitution, Gombagaï, l'empêche tiers mondiaux que les hommes fourbes, F-O-U-R-B-E-S, sont série de nègres qui parlent parole. Assemblée constituante là, t'es dominé par un, n'oubliez ça, Agaou, l'homme du Nord-Ouest, résident, et Maître Renald Joy, qui toujours a dit quoi, que c'est lui qui fait constitution ça. Nous connaissons qui est-ce qui était météo, et une dame que je ne peux pas citer non. C'est une grande dame de la société, une grande mulâtresse, qui s'appelle Chantal E. Chantal E. représentante de la bourgeoisie, car chaque article qui était voté dans la Constitution sous bicentenaire, l'ambassade américaine. Bon, c'est responsabilité docteur Henri Robert Sterling. Bon, c'est la première fois, attendez, c'est François Mitterrand qui a écrit Constitution 1987. Bon, les cas qu'on débat, nous ne connaissons pas parce que nous connaissons KNGPA, c'était des militaires du Valieris, des même dans le même secteur à Soti. Mais seul ça nous connaît, c'est l'Assemblée constituante et côté, c'est une grosse modification qui est portée par rapport à projet KNGPA. Et il y a un pile monde dans la société civile haïtienne qui joue un gros rôle et dans le cadre des démarches l'étape écrit Constitution 1987 là. Tout le n'est pas facile, il y a un pile bataille et qui était faite par exemple Guy Alexandre dans MAD, il y a un paquet de monde qui était suivi ça tape fait dans l'occasion ça les assemblées constituantes là qui te des patriotes la donne m'a songé au monde coup docteur Georges Michel mais te l'autre monde ici c'était madame et Udico Evald te plusieurs autres monde qui te représenté divers secteurs dans la vie nationale là dans cadre et écriture constitution 1987 là qui pas passé Jean militaire du Valéry Soté Vléa ça a été maintenant gorgette peuple c'est pas lui finalement peuple là t'est ratifié. Donc, par contre, docteur Henri Robert Sterling vini avec déclaration, ça yon, par contre, si c'est des déclarations révisionnistes, et puis, comme les cités de nom, il est important pour les recherches qui fait, pour est-ce que François Mitterrand t'a écrit, à l'intermédiaire, mon voyez, Constitution 1987, là, nous connaissons cette Constitution peuple haïtien. Justement, yon nan constituant yo plus connaît, c'est Renald Joy, ni sot cité non là, mais Renald Joy fait connaît Alliance pour libération et avancement Haïti à la diriger appuyer 100% toute activité qui a faite demain et pour marquer 35e anniversaire Constitution pour lever campé contre kidnapping et insécurité. Et ça dit dans l'interview, li bay Radio Kiskeya, il m'a dit tout le monde parti là, nous connaissons notre appuyé Ariel Henry, c'est signataire à corrélé 11 septembre non, tout citoyen conséquent qui pas d'accord avec insécurité kidnapping non et pour lever campé pour participer dans match qu'a fait demain yo. Mais Renald Joy, l'autre part, dit pas d'accord du tout avec l'idée pour changer constitution 1987 là. Et Renald Joy qui dit, il partageait même l'idée, directeur nous, Marvel Dandé, et qui croit dans force constitution 87 non, et par constitution amendée. Mais Renald Joy qui c'est une non constituant, yo plus connaît, qui plus intervenu. Faut que nous disions ça parce que là nous solliciter l'autre ancien constituant et pas intervenu. Lui-même et avec docteur Georges Michel déclaré c'est pas constitution 87 non qui problème pays a, mais plutôt c'est application monde qui passait dans tête pays a pas jamais voulu mettre constitution en application. L'Alliance pour la libération et l'avancement d'Haïti à la supporter 100% marche cap fait le 29 mars 2022 à contre ou insécurité cap fait peuple à crier depuis trop longtemps, cap fait de l'eau couler dans les yeux tout le monde, marré avec un kidnapping qui finit avec pays à économie pays à net. Donc, nous demandons tout le monde à la yo et sympathisant à la pour yo descendre en masse à supporter mouvement ça qu'a fait là et puis pour faire constitution lui-même c'est une très mauvaise chose si il fait une autre constitution là que trois bon bagaille là dernier pour peuple là elle n'en refait que ne pas besoin encore et Jean-Marvel était dit récemment dit pour constitution 1987 là sans amendement c'est appliquer mon pas jamais gagné tendance pour appliquer constitution hein, qui fait dire qu'il pas bon mon cap dit constitution pas bon, c'est yok pas bon, c'est pas constitution. Donc, pour finir, on nous soutenir pays, on nous soutenir tout bon citoyen, on dans pays, non aller faire match 29 mars 2022, on très grande réussite, et un message à tout le monde qui paraît mes pays. Voilà, maître Renald Joy, qui signe accord en septembre, qui s'est allié à Ariel Henry sous pouvoir, mais qui appuyait manifestation qui prévoit pour faire demain, dans l'occasion 35e anniversaire Constitution 1987. Madame Rosy Auguste qui avec nous en ligne. Madame Auguste, nous comptons qu'on là et n'a profité pendant là pour nous retourner dans un élément assez historique puisque c'est Jean-Claude Bajeux, une monde qui fait office de défenseur droit monde dans le pays d'Haïti depuis très longtemps, il quittait nous en 2011 et en 1997, il pour te faire bilan de 10 ans d'application Constitution 1987 là, on a coûté nous rejoignons l'archive Radio Haïti sur internet. On croit que la Constitution qui était votée 1 200 000 monde qui le 29 mars 87 t'es voté pour constitution ça et si y a 1 200 000 haïtiens et qui votaient pour constitution ça c'est que constitution t'es baillé un gros espoir que société qui t'a pas basé sous constitution t'a pas une société côté nous t'a bien respect des droits nous t'a bien plus justice dans le pays bon son texte qui ont tête en cours ou on caille que a construit c'est fondement caille la constitution c'est fondement caille peuple là les construit société que le voulait vivre quand elle voulait vivre là malheureusement si n'a font bilan de ça qui passé année 87 là nous qu'a dit que constitution était toujours tant qu'on espoir l'hypocrisie réalité mais malgré tout nous toutes n'a chita sous constitution pour nous défendre et pour nous toujours à dire sa constitution dit parce que ça nous est qu'à passer dans le pays jusqu'où il y a les pourcours conformes à sa constitution demandée son paquet de points Voilà, ça c'est Jean-Claude Bajeux. C'est comme ce que tu as dit, c'est jeudi, hein, parole ça ou dit, Rosy Auguste. Oui, c'est vrai. Et sinon que, on t'a dit jeudi, la situation pire encore que dans le moment que Jean-Claude Bajeux t'a parlé, et effectivement, il y a un pionnier et dans la question de droit en Haïti, donc oui. Et c'est ça. C'est dommage parce que c'est presque même analyse en dadi parce que n'a fait. Tout à l'heure on t'a passé page doyo, nous pas été en pile temps même quoi que nous cabaler sur l'essentiel encore en façon pour rappeler moun yo qui élément qui figurait dans texte ça et qui chita question droit moun dans pays d'Haïti Rosy Auguste. Oui, n'a fait ça et puis naturellement n'a rappelé tout le monde que et c'est vraiment bel exercice que n'a fait et nous essayer ba yo article à titre d'indication mais yo vraiment et gain intérêt font bel tout et là me pense que ça son invitation pour moun yo même yo retourner tout dans constitution. Yo retourner dans constitution. Par exemple dans l'article 22, article 32 et suivant constitution consacrer le droit au logement décent, il consacre droit à l'éducation. Et il consacre tout droit à l'alimentation et à la sécurité sociale. Logement décent, éducation, alimentation, sécurité sociale, nous avons dans l'article 22. Et dans l'article 32 et suivant, il chita plus sous éducation, côté que là, il a parlé de accès à l'éducation, gratuité, éducation, etc. Dans l'article 35, la Constitution a parlé de droit au travail. Mais attendez tout détail que la Constitution mettait sous question travail. Il parlait de salaire juste, repos, congé annuel, boni, article 35.1. Travail égal, salaire égal, sans considération, qui basé sur sexe, croyance, opinion, statut matrimonial, article 35.2. Il parlait de liberté syndicale, article 35.3 et suivant. Il parlait de droit à la pension civile et à la retraite, article 48. Sous propriété privée, Constitution consacrée droit à la propriété privée, article 36. Et le consacre droit à la propriété privée, hein, c'est dans l'idée pour protéger le monde contre les expropriations arbitraires, pas oublier que nous avons un pays côté de pile insécurité foncière, et il protéger tout le monde, tout, même contre les expropriations pour cause d'utilité publique. Article 36.1, il clairement dit que même si c'est l'État qui déclare que la plante et la pré-oncaille, il supposé assurer que nous n'avons pas victime. Et Constitution parle et tout de droit à propriété scientifique, propriété littéraire, propriété artistique. On y a là, nous t'as dit, nous tombons dans droit culturel. Là, nous, article 38. Lui consacre droit à l'information. Oui. Et là, il clairement dit, pas bien, t'as l'un, t'es parlé de protection du travail de presse. Mais qu'on y a un droit à l'information dans l'article 41, qui ça là, le consacre, c'est obligation l'État gagnant pour toujours mettre citoyens et citoyennes au courant de tout ça concerné pays. Donc, on loi, arrêté, décret qui prend, accord qui signe, et accord international, traité, convention. Ça veut dire que tout ça concerné pays, il n'est pas fait pour le cacher. Donc, c'est une obligation de transparence, tout, dans certains sens. Exactement. Et Constitution consacre droit à la sécurité, côté que les protéger, là, les plus dans l'idée pour le protéger citoyens, citoyennes contre déportation, les protéger tous citoyens, citoyennes dans l'idée que si vous besoin de quitter le pays, ou pas besoin d'un visa de monde pour quitter le pays, nous pas besoin d'un visa tout pour entrer dans le pays, pas oublier là, c'est un peu histoire, nous tout. Qui est que nous avons essayé de changer l'histoire récente avant Constitution 87 là. Oui, parce que avant 86, justement, pour monde qui était parti, qui est rentré en Haïti, il faut un visa de retour. Exactement. Et un visa de sortie. Surtout visa de sortie. Ça veut dire que monde qui vit en Haïti, il n'y a pas qu'à déplacer, quitter le pays sans l'État pas une autorisation pour quitter le pays. Donc, droit circulation, en certain sens, à ce niveau, pas respecté. Et il faut que nous d'accord tout, c'est une belle régression. Parce que en 1982, par exemple, nous gagnons un décret qui te vient dire, ok, d'accord, on femme, parce que avant ça, femme était besoin de circuler, pour déplacer de une zone à l'autre, ou pour quitter le pays, il faut qu'il y ait autorisation marine. 82, ça a coupé. Alors que par la suite, on va venir que le régime Boudia va mettre n'importe monde, femme ou garçon, des pour besoin déplacer, faut ou gagner et une autorisation pour montrer que nous avons régressé vraiment et que de toute façon, le régime dictatorial, par exemple, porter rien qui bon. Et constitution consacrée tout droit à la vie privée. Ça veut dire les tout, il n'y a pas de droit pour approuver les tout, pour appeler ça, les tout, pour vie privée, on dans caillou, etc. Et ça, je dis à Rosy Auguste, l'important, oui, pour qu'on ferait qu'on se nous-mêmes comme journalistes, qu'on question que la vie privée et donc il y a deux bagailles qu'on pas qu'à divulguer comme ça parce que chaque monde dans le pays a un droit à la vie privée. Bien sûr, et bien sûr. Et en ce qui a trait à journaliste, bon, c'est que il y a des séries de informations ou même on peut balancer, on peut dire est-ce que ça vaut le coup vraiment pour me publier ça ou du moins c'est ce que me faire rétention ça parce que c'est vie privée mon. Oui, pour moi aller plus loin peut-être monde qui a une responsabilité publique il n'y a pas de même qualité vie privée avec monde qui pas une responsabilité publique. Parce que deux fois, l'on a une responsabilité publique, là, il y a deux bagages qui ont vie privée ou qui concerne vie publique là, tout, dans certains sens. C'est-à-dire action président de la République ou ministre, il y a un droit privé, mais il y a un impact sur le public là. Donc, c'est ça qui fait que moun sa yo niveau de vie privée, pas même avec un citoyen ordinaire ou bien un citoyen ordinaire. Et c'est ça qui fait nous dit que ces journalistes-là, lui-même qui vous balancer. Par exemple, et qui est-ce qui ménage au monde? Bon, ça va pas, mais est-ce que bon l'argent qui utilise pour acheter caille pour ménage au monde? Voilà. Ça, c'est l'information que nous avons besoin qu'on ait. Exactement. Maintenant, dernier point que je vais quand même souligner, attention tout le monde. C'est vrai que dans l'article 52.1, hein, Constitution consacre les devoirs du citoyen. Ok? Et c'est vrai tout que l'IRT plus sous droit, il va tout détail sous droit, mais que il pas traité trop sous devoir. Cependant, je pense que ça paraît tirer un lien dans volonté en là pour te montrer que droit contrebalancer parce qu'il y a devoir tout. Oui. L'autre interlocuteur hier qui a fait remarquer ça, que en pile fois, nous insistons sous droit, mais pas sous devoir. Alors, devoir, bah, nous quelques idées. Et pour devoir, au niveau de l'article 52.1 Constitution, nous voyons rapidement qui ça qui prévoit la donnée. Constitution dit, par exemple, dans petit A, citoyen gagne obligation pour le respecter Constitution, pour le respecter emblème national. Là. Pas oublier que emblème national, non, c'est drapeau. Non. Citoyen, donc respecter Constitution égale tout, si vous êtes juré, vous êtes respecté pendant à prendre poste, ou supposé respecter jusqu'à ce qu'on quitte le poste là. Ouais. C'est pas seulement parce que vous êtes juré sous lui, mais déjà en tant que citoyen haïtien, vous avez devoir pour respecter Constitution. Pour respecter, effectivement, merci un peu. Deuxièmement, devoir pour respecter loi. Gagner obligation pour voter dans l'élection et sans contrainte. Ah, obligation pour voter. Voter dans l'élection et tout mettre d'elle sans contrainte. Parce que en réalité, par ricochet, mais en même temps, peut-être on nuance. Sous-senti a bien contrainte, pas aller. Mais en même temps, on nuance. Et Marie-Rosy Auguste, et c'est le fait que vote là pas obligatoire quand même. Et pardon, il dit encore? Vote là, il n'est pas obligatoire quand même. Et parce qu'il y a des pays côté vote là obligatoire. Ça veut dire qu'un citoyen n'est pas capable de voter. Ici, si ou pas à le voter, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas obligé à le voter. Mais par contre, il dit qu'on a un devoir pour voter. Oui, on a un devoir pour voter. Vote là pas obligatoire, lui-même pour compte. Mais par contre, il faut que nous comprenions bagaille. Toutes les fois que nous choisissons, pour ne pas aller choisir, il y a l'autre monde qui choisit pour nous. Et là, nous parlons de droit monde, que nous parlons un peu de réalisation droit monde. Ça veut dire que ça veut dire que monde qui parle dans tel pays, il faut qu'il y ait un projet. Et ou même qu'on y a là, en fait, ou bien obligation pour aller voter sous base projet. Pour qu'assure, les gens qui ont présenté projet, est-ce que le projet a été lié à la question de droit monde? Combien l'hôpital, les gens ont dit qu'ils ont construit, combien l'école? Et obligation tout plus devant, c'est pas seulement à voter, à seulement pour le mandat, non, c'est suivre, faire monitoring pour sûr que ça a été le fait, l'y faire ouvrir, parce que sinon, mandé le compte. Ouais. Donc ça, c'est responsabilité citoyen, citoyenne. Exactement. Nous gagnons tout comme obligation pour nous payer taxes, pour nous servir de juré. La justice relève nous pour venir dire nous aider le juger des mondes. Parce donc que là, on ne peut pas doit refuser. C'est un coup par exemple un service militaire, ou pas qu'à refuser. Ou pas qu'un droit refuser. D'autant plus que jurer, on permet de tout faire et distinction salée qui est très important pour tout le monde. En réalité, les orelo ou même qu'on y a là automatiquement leur juré ou tourner un juge de fait. Ça veut dire sans aucune considération qui sa code pénal dit qui l'entend des histoires ça son pensée ça moun nan djoulo ça témoin vinn dit ça et l'autre monde que yoré les vinn dit soit témoin à charge témoin à décharge vinn dit selon ou même selon conviction est-ce que moun ça est-ce que il coupable ou pas ça veut dire c'est aider un juge qui suit à pour compte lui pour le décider. Donc il est important pour aller et son devoir son obligation que liée pour citoyens fait. Nous gagnons tout pour nous comme obligation pour nous défendre pays en cas de guerre. Pour nous former tête nous et puis pour nous perfectionner nous. Nous gagnons devoir pour même nous ça est inscrit dans la Constitution pour former tête nous et puis perfectionner. Article 52.1 petit G, s'instruire et se perfectionner. Son obligation citoyenne que liée. Nous gagnons tout pour nous respecter et protéger l'environnement. Pas bien en 1987 date depuis qu'il nous gagnons des constituants, nous gagnons des législateurs qui disent nous faut que nous respecter, faut nous protéger l'environnement. Donc c'est pas jeune aujourd'hui aller à parler de réchauffement climatique que nous comprenons le respect que nous gagnons pour nous débat à l'environnement. Nous gagnons tout pour nous respecter scrupuleusement. M'appelez pour nous là les deniers et biens de l'État, l'argent l'État, pas l'argent monde, pas l'argent particulier, bien l'État, pas bien monde, machine l'État, pas machine monde. Faut que nous respections scrupuleusement là nous dans l'article 52.1 petit i. Faut que nous respections le bien d'autrui. Comprendre, ça veut dire pendant, par exemple, on fait un parallèle là rapidement, pendant la Constitution consacrée la propriété privée. Ouais. Pour protéger moun contre les expropriations illégales et arbitraires que en pile moun a fait journée jodi a et parmi eux en pile moun qui dans personnel judiciaire là impliqué là ni personnel policier tout mais parallèlement tout mettait en face comme devoir pour respecter bien moun. Faut que nous œuvrer pour le maintien de la paix. Ouais. Fournir assistance aux personnes en danger, son devoir que ouais. Il est vrai que il y a deux pays côté mettez personne qui est en danger assistance là non seulement on devoir mais on punir pour ça et sous pas faire bon ici on pas connaît est-ce que il y a une punition pour ça pas faut que nous pas ouais pas prêter attention si gagne c'est un texte de loi qui t'a peut-être une loi d'application sur ça mais il vient paraître au moins le devoir de citoyen mais ne serait-ce que moralement nous gagnons obligation selon constitution pour nous fournir assistance à personne en danger autant et dire puis, que n'est pas normal juste avant point dernier et peut-être que nous une minute comme ça autant dire que n'est pas normal pour nous que par exemple on, si on accident fait tout le monde blessé et puis au cours ils font photo pour faire circuler sur réseau et puis monde lui-même il est à terre bien sûr ouais. Et pas normal donc faut question assistance à personne en danger à son élément qui fait pour rentrer dans réflexe nous et dernier devoir que article 52.1 consacré c'est respecter les droits et la liberté d'autrui. Bon c'est ça c'est plus gros devoir parce que en fait c'est une façon pour le dire que droit paola limite c'est côté droit monde qui en face ou à commencer oui. Eh donc en gros c'est ça, merci en pile pour l'opportunité ça à côté Banon pour nous retourner sur Constitution. Nous pensons que c'est vraiment très bel exercice Godson pour venir avec lui. D'autant plus que je nous saute dit là comme devoir nous rendre compte nous gagner pour nous défendre Constitution hein, du bec et des ongles pour nous respecter parce que c'était un projet social littéraire et en pile moun te sorti d'ailleurs ou se permettre que nous tendez Jean-Claude Bajeux parler pour dire que en pile moun te al voter parce que yo te adhéré à projet ça et journée jodi a c'est pas courir jeter dans et poubelle pour nous dire OK nous pas faire un l'autre ou quoi que ce soit d'autre mais de préférence c'est garder qui gens gagne bon bagage qui était là-dedans et que Kounia là pour nous dire ok d'accord, on mange pour être nous, on travaille pour nous mettre en application. Eh bien, merci en pile Marie-Rosy Auguste peut-être participer dans l'exercice ça avec nous, le niveau qu'on fait là vraiment qui aide nous garder de manière détaillée. Nous disons merci en pile. Merci en pile, c'était un plaisir. Encore une fois, nous saluons tout auditeur, toute auditrice.